Boxing Club Castelbriantais dispose d'un nouvel outil, une nouvelle salle de boxe située au premier étage du centre municipal des sports à Châteaubriant. Une salle inaugurée le 7 février dernier en présence de nombreux clubs de la région et de quelques grandes personnalités du monde de la boxe. Voilà, le club a été créé en février 1975 par Guy Defay et donc a fêté ses 39 ans. Et c'est à cette occasion aussi, c'est l'anniversaire de ce 39e anniversaire, que nous inaugurons la nouvelle salle que la ville de Châteaubriant a mis à nos dispositions, puisque la salle que nous avions précédemment était un peu exiguë, et maintenant on a une salle spacieuse, équipée aux normes, et permettant aussi l'accueil de personnes à mobilité réduite, ce qui est quand même important. Le parrain du club, Jean-Claude Boutier, légende de la boxe, champion d'Europe des poids moyens en 71 et 74, était présent pour cette inauguration, fier de donner son nom à ce lieu. C'est un outil de travail extraordinaire. Mais je crois que quand on arrive ici, on a envie de faire du sport. Il se trouve que c'est la boxe, mais on a envie de faire du sport. C'est beau, c'est propre, c'est simple. Et je suis certain que tous les gens, jeunes garçons, jeunes filles, qui vont venir ici, vont défendre leur salle. Ils vont souhaiter qu'elle reste propre, belle, comme on la voit aujourd'hui. Nouvelle salle et nouvel entraîneur, le BCC a fait appel à Cindy Aurin, championne de France, championne d'Europe et médaillée de bronze au championnat du monde. Après, je pense que déjà, c'est l'envie. Parce qu'après, c'est pas comme les autres sports. On vient, on prend quand même des coups, même si en boxe éducative, ils n'ont pas le droit de vraiment porter les coups. Mais il faut quand même accepter de recevoir des coups. En général, ils acceptent de les donner, mais de les recevoir, c'est plus compliqué. Mais c'est vraiment l'envie. Et puis après, c'est vrai que si on peut avoir des qualités d'explosivité et tout, ça peut aider aussi en boxe. Cindy Aurin qui accueille les enfants dès l'âge de 7-8 ans.